2004, an organization called Equiplus donated solar panels to the inhabitants of the region of Nyorosantal, a gift of the states, they told them. Thousands of trucks and technicians were sent on site as the organization dedicated itself to the electrification of the entire region. Before, everything was done by candlelight, marriages, births, baptism, cooking, school, and prayer. The coming of electricity fast became a blessing in the life of every villager. By signing a contract with Equiplus, the villagers became owner of their solar panels. The deal was tied up for free upon payment of a one-time contribution of 30 euro per panel. 6 years later, the attractive development project has left these people victim of blackmail and of an orchestrated scam. Today, this situation is harming local development and has financially suffocated every home. The people have found themselves held hostage for a bit of electricity. Does all that remind you of anything? Remember the start of the oil boom in America, when millions of oil lamps were distributed for free by a diabolic do-gooder, the one and only Mr. Rockefeller. It was then that candlelight was replaced. And at the beginning, all this was for free too. So in one fell swoop, the old master of the black gold made the entire US population totally dependent on oil, thus building his great fortune. Even today, he still has a hand in the prices at the petrol pump. Watch out! Salut, c'est Myriam, je représente Human Connection, on est une petite organisation qui s'occupe de plein de choses. Et là aujourd'hui on est au Sénégal, on est à 300 km de Dakar, on est sur une piste là, il n'y a pas vraiment une route. Et derrière moi, vous voyez le village Keur Mama Lamine. Et c'est un petit village à 600 habitants. Et il se passe de drôles de choses là-bas. Donc on va aller voir tout ça et on va laisser parler les gens. À tout de suite. Ici, il y a 600 habitants. Oui. La plupart des foyers, oui, c'est les paysans. Oui. L'arachide. L'arachide, le mil. Le mil. Le maïs. Le maïs. Bon. N'importe quel légume qui fait le maraîchage aussi. Maraîchage. Oui. Donc, quelqu'un, par exemple, une famille. Oui. Le père, il est paysan. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il gagne dans l'année? Combien environ? Il y a les oignons, il y a... Combien tu penses? Les revenus de l'année? Bon, environ, bon... S'il travaille comme le mil, oui, tu vois ici, comme on peut le dire, voilà, par exemple, ça c'est la famille qui a gagné ça, wow, c'est toute la famille qui a gagné ça, wow, et voilà, environ, bon, ça c'est pour la nourriture, ça ne suffit pas, pour l'année prochaine, durant 12 mois, ça ne suffit pas, et puis, avec l'arachide, vous voyez, ici c'est les cacahuètes, hein, oui, c'est ce qu'on appelle les cacahuètes. Oui. Le mil, c'est comme le couscous. Oui, le mil, c'est comme le couscous. Voilà. Oui. Il y a, bon, mais ici, cette famille-là, elle n'a pas cultivé le maïs. Mm-hmm. Bon, il a cultivé, sauf le mil et l'arachide. Le mil et l'arachide. Et l'arachide, oui. Par exemple, pour ça ici, la famille, elle a travaillé toute l'année. Toute l'année, oui. Combien tu crois qu'elle a gagné? Comme ça? Bon, c'est si vraiment ça, par exemple. Environ. Environ... 300 kilos. Mm-hmm. 300 kilos. 300 kilos. Ça vaut combien? 30 000 francs, c'est quoi? 30 000, c'est quoi? 30 000, c'est quoi? Ok, j'ai compris. Notodou? Gena. Nos santes? Nying. Nying. Ah, c'est sa maison, cœur? Kai, on va montrer comment elle vit. On va lui montrer comment elle vit. Kai, c'est la porte, hein, Pierre, tu vois? C'est automatique, hein? Automatique, la porte. Les gens, ils vivent ici à plusieurs personnes, hein? Il y a trois lits. Un, deux, trois. Il y a un toit de paille et la case, c'est fait avec un peu de ciment. Tu vois?
Il y a un peu de l'eau. Ici, tu vois, le bois de l'eau, depuis. Tu vois que là, la technologie, elle est très élevée. Hein. Donc, Vilain, la petite lampe de 30 cm. Hop. C'est deux prises ici. C'est deux prises. Oui. Voilà, ça, c'est la technologie qu'on a mis dans des huttes. En plus de ça, Pierre, le chauffage, tu vois, c'est du bois. C'est du bois. Ici, on a quelques poules. Tu vois ? Il s'appelle Kan. Kan. Kan, oui. Monsieur Kan. Monsieur Kan, Amadou Kan. Amadou Kan. Oui, Monsieur Amadou Kan. Et lui, il représente ? Lui, c'est lui qui avait représenté ici le projet. Oui. Oui. Mais, en plus, il avait dit que c'est l'équipe plus qui a gagné maintenant le projet. C'est l'équipe plus qui travaille avec les usagers maintenant. Équipe plus. On dit équipe plus, mais c'est pas que c'est... Bon, et c'est une organisation ou c'est une entreprise? Oui, c'est une entreprise. Entreprise? Oui, qui s'appelle Équipe Plus. Équipe Plus. Oui. Équipe Plus. C'est lui qui vient ici pour récupérer l'argent aux gens. Chaque panneau solaire, tu payes 5000 francs. Il te demande 5000, sinon il vient, il te dit que tu vas nous donner 10 000 francs aujourd'hui. Tu vas nous donner 10 000 francs parce que le mois passé, tu n'avais pas participé. Tu dois aujourd'hui, tu dois nous donner 10 000 francs. Par négociation, tu leur donnes 5 000 francs. Ils vont partir. S'il revient aussi, tu leur donnes 5 000 francs. C'est du racket, Pierre. Oui. Du racket. Moi, j'ai des rossis. Ils m'ont donné des rossis là. J'ai gardé ça. Oui, oui. J'ai gardé ça à la maison. C'est bon. Équipe. Combien? 5000, je sais pas dire. 5000 CFA. Hein? Pour combien de temps? Un mois. Certificat de réception qualitatif. Acer. S'appelle Acer. Un panneau, un régulateur, une batterie, fonctionnement de 4 luminaires, 4, hein. Fonctionnement de convertisseur DC. Fonctionnement de la prise de courant, fourniture de 2 tubes fluorescents. Voilà, pour ça, il paye par mois 5000 CFA. Donc ici, on est à cœur maman Lamine Serer. Serer, c'est une ethnie. Hein. Oui, c'est une ethnie. Tu peux m'expliquer ça? Serer, bon, c'est une ethnie parmi beaucoup d'ethnies au Sénégal. Hein. Parmi les ethnies, il y a le Wolof, il y a le Mandeng, il y a le Manjak. Il y a le Poulard, tout ça c'est des ethnies qu'on a au Sénégal. Voilà. Mais ici précisément, nous sommes à Kermama Lamine Serer. Serer. Oui. Donc là, ils sont un peu. Tu vois, c'est une population ethnique et autour c'est les Wolofs. Les Wolof, hein? Oui. Donc eux ils parlent Serer. Oui, nous parlons Serer. Et qu'on a placé 93 panneaux solaires, oui. Environ. Environ, oui. Et que jusqu'à présent, il y a eu une vingtaine qui ont été démontés. Oui, oui. Les panneaux qui ont été retirés, on les a retirés pour quelle raison? Pour un problème de paiement. On va vous proposer de l'électricité dans la maison. Ouais. J'ai vu qu'il y a des petites maisons, il y a une prise avec la petite lampe. Ouais, ouais. Vous avez une plus grande maison. Qu'est-ce qu'il y a ici comme... Il y a deux panneaux. Deux panneaux. Oui, oui. Deux prises. Deux prises. Ouais. Et chaque panneau a quatre lampes. Quatre lampes. Ouais. Donc il y a 8 lampes. 8 lampes. 8 petites lampes comme ça. Ouais, ouais. Et 2 prises. Et 2 prises, oui. Combien vous payez chaque mois? Non, on paye ça annuellement, mais ils ne viennent pas tous les mois. Ils ne viennent pas tous les mois. Ils viennent momentanément pour récupérer. Wow. Ouais. Donc c'est quand que vous les voyez environ? Tous les deux mois, tous les 3 mois? Environ tous les 3 mois. Tous les 3 mois ils viennent, ouais. Ici. Mais si c'est pendant la saison, c'est tous les 2 mois. Ouais, mais ici, parce que c'est l'hivernage, ils disent que, parce que j'ai eu à rencontrer quelques-uns parmi eux, oui. Ils disent que les routes là sont défectueuses. Oui. L'accès est difficile, c'est pourquoi ils attendent que les pluies là s'arrêtent. Ouais, quand la route est praticable, ouais. Ils viennent tous les 2 mois. Tous les 2 mois, oui. Combien d'argent ils viennent te demander? Le minimum c'est 5 000 francs par tableau, par panneau. Ouais. Le minimum. Le minimum par, ouais, tableau. Donc toi tu payes 10 000. 10 000. 10 000 tous les 2 mois. Tous les 2 mois, oui. Et tu es fonctionnaire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es paysan?
Oui, je suis parmi les paysans, mais je suis enseignant. Enseignant. Fonctionnaire, ouais. Tu es fonctionnaire. Ouais. Bon, y en a ici qui ont un salaire annuel de moins de 100 000. Hein. Oui, annuel, hein. Ouais. Annuel de moins de 100 000. De moins de 100 000. Et ils payent la même chose que toi. Oui, nous payons la même chose. Donc c'est plus, c'est dur aussi pour ces gens-là. C'est presque insupportable. Insupportable. Oui. Et depuis quand ils ont mis ce système ici? Depuis 2004. 2004. Oui. Depuis 2004. Oui. Donc ça fait 6 ans. Oui. Et ces gens qui viennent ici, c'est des Sénégalais. C'est des Sénégalais, oui. Et ils font ça pour le compte de qui? Ils travaillent dans, pour le compte de l'équipe plus. L'équipe plus. Oui. Donc ils engagent des Sénégalais pour venir récupérer l'argent. Oui. J'ai entendu aussi que dans la mosquée, l'école, il y a les panneaux. Il y a les panneaux. Ça, c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Donc, quand on parle de paiement, c'est dans les foyers. Hein? C'est dans les foyers, oui. C'est dans les foyers. Et pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui a le panneau, l'électricité. Hein? Non, non, c'est pas tout. Et puis l'électricité, c'est réduit. Parce qu'on n'a pas, la possibilité d'avoir un frigo, on n'a pas la possibilité d'avoir une télé en couleur. Voilà. On n'a que la télé noir blanc et 4 lampes. Ah, ouais. Donc c'est encore plus cher que Sénélec. Ouais. Ouais. C'est plus cher, c'est plus cher. C'est plus cher que Sénélec. C'est moins rentable. C'est plus cher que le réseau d'électrique national. Donc, cher, ils n'ont pas droit à mettre un frigo, ni de télé, rien. Non, on vous offre ça, c'est à prendre ou à laisser. Oui, oui. Vous êtes pris en otage. En otage, c'est ça. Pour l'énergie. Pour l'énergie, c'est ça. Et le soleil, il se lève tous les jours. Et tous les jours, oui. Ok, je comprends. Oui. Je comprends. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous trouvez vous-même? Qu'est-ce que ce serait une solution? Par rapport à ça. Par rapport à ça. Par rapport à ça, bon, la meilleure solution pour nous, c'est d'avoir accès à Sénélec, au moins. Accès à Sénélec. À Sénélec, oui. Donc, au réseau national. Au réseau national, oui. Et qu'on puisse vous facturer normalement. Normalement. Voilà. Et puis, et qu'on puisse aussi faire l'utiliser comme bon nous semblerait. Oui, oui. D'accord. Après, vous verrez. Ouais. Et après, on verra. Oui, ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Okay. Merci. Voilà. La planète, 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 la plan